Alors, nous avons développé chez OSEIS un concept original, novateur, et que nous sommes absolument les seuls à développer sur le marché, en vue d'améliorer le pilotage de la performance économique des petites entreprises. Donc, pour ce faire, nous avons développé des outils qui n'existaient pas sur le marché, qui n'existent d'ailleurs toujours pas, et c'est ce que nous mettons en œuvre auprès de nos clients. Alors, la crise Covid, finalement, évidemment par son ampleur et au-delà des aspects médicaux, bien évidemment, qui ont touché beaucoup de monde, est finalement une crise comme pourrait être une autre crise. Ce n'est ni la première ni la dernière. Et elle a été pour nous, et elle est pour nous, une véritable source d'opportunité. D'ailleurs, ça doit être une source d'opportunité pour beaucoup d'entreprises. Hein. C'est là où il faut rechercher, s'adapter au marché. Et finalement, les clients utilisateurs de la méthode OSEIS ont pu remonter à leurs consultants les bienfaits de notre travail parce qu'ils ont pu sortir grandis et plus forts de cette crise. Alors, nos ambitions de développement, nous les travaillons sur deux axes. Le premier axe, c'est le développement du réseau en tant que tel, bien évidemment. Et le second axe, c'est de la même façon de développer notre partenariat avec d'autres réseaux de façon à faciliter, améliorer la performance commerciale de nos consultants. Pour 2022, nous ambitionnons de recruter peut-être une quinzaine de consultants. Alors, le franchisé idéal est un homme ou une femme pugnace qui a une farouche volonté de réussir, mais qui est également empreint de beaucoup d'humilité, qui a une envie d'apprendre puisque nous allons lui transmettre un savoir-faire. Et on peut se rendre compte que dans l'application, la stricte écoute, application de nos méthodes et nos savoir-faire, lorsque tout cela est bien respecté, eh bien finalement la réussite est au bout.